se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu dans le titre, sur la japonaise, voilà, pour mon diamond painting. Alors, vous avez déjà quelqu'un qui passe devant la caméra. Voilà. Cross Mémère, bonjour. Sandrine, elle va être contente de te voir. Et les autres aussi. Je vous faisais une dernière vidéo donc sur la japonaise parce que je l'ai terminée, voilà. Donc je vais vous la montrer, je changerai le champ de la caméra pour vous la montrer, ce sera plus simple. Et en même temps après je vous montrerai où j'en suis sur le deuxième kit. Donc c'est le kit avec les loups blancs et le style d'attrape-rêve qu'il y a autour. Voilà. Donc la japonaise, j'ai énormément aimé la faire parce qu'elle était très colorée, j'ai beaucoup aimé, très facile, la toile était nickel, j'ai eu aucun problème avec, à part bon, à la fin qui m'est manqué quelques perles. Là je sais que le vendeur me les a envoyés, mais bon, j'ai des copines entre deux qui m'ont dépanné. Donc en fin de compte, j'ai pu terminer la toile avant de recevoir les perles. Là elles sont en route, donc je vais les recevoir quand même. C'est rien, je les garderai pour dépanner une copine, hein, c'est pas un problème. Sinon, là bon, il me reste à trouver un cadre maintenant. Il n'y a pas chat qui pleure. Maintenant il pleure quand je fais une vidéo. Il n'y a pas chat. Ils sont tous réveillés. Ça y est, ils dormaient tous. Ils sont tous réveillés. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. M'a coupé. Voilà. Oui, il me reste à trouver un cadre. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que la taille du DP est un peu, pas une taille de cadre normal. Puisque c'est un 60 sur 45, et souvent les cadres font à partir de 40 ou à partir de 50. Donc je pense que je vais prendre certainement soit un 50-60, oups, celui-là, 50-60 ou 50-70, voilà. Et je ferai un encadrement coloré autour, avec du ruban ou du washi tape, ou voilà. Mais quand je ferai l'encadrement, je vous montrerai le résultat. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Là, je n'ai pas le temps pour l'instant. Et puis, bon, il faut que j'aille chercher un cadre. Il faut que j'aille chez le Roi Merlin. Ou... Je vais voir. Mais comme je ne vais pas par là pour l'instant, voilà, ce n'est pas urgent. Et puis là, bon, de toute façon, pour l'instant, je ne vais plus rien accrocher à mes murs. Donc le tableau va rester dans mon carton à dessin, puisque là, comme on avait fait une demande de déménagement, on attend, même si c'est dans 6 mois, ça fait rien, mais je ne veux plus rien accrocher à mes murs maintenant, parce que bon, bah, si c'est pour accrocher un nouveau tableau et puis l'enlever dans 3 mois ou dans 6 mois, c'est pas la peine de refaire des trous dans le mur pour rien. Voilà, donc pour l'instant il restera dans mon carton à dessin, et quand j'aurai le cadre, bon bah je le ferai, quitte à mettre après le cadre dans un carton en attendant, voilà. Donc là je vais changer. Ne me manque pas, elle dort, me manque, elle me fait des bisous. Je vais changer le champ de la caméra pour vous montrer le résultat du kit, voilà. Et après je vous montrerai, je reviendrai un petit peu vers vous et je vous montrerai où j'en suis sur le kit avec les loups blancs, voilà. Et je vais vous dire, donc je vais vous dire tout de suite, pour ceux qui seraient intéressés par ce kit, je vais vous remettre en barre d'infos le lien de la boutique avec le lien pour trouver directement le kit. Hein, le kit de la japonaise, parce que bon, c'est vrai qu'il est très beau et je sais qu'il y en a déjà qui l'ont commandé parce qu'elle l'aimait beaucoup. Et en même temps, je vous remettrai le code promo pour pouvoir bénéficier de 10% sur votre commande en même temps. C'est chez Victoriason,
Donc voilà, comme ça, vous pourrez, s'il vous intéresse, vous pourrez le commander sans problème. De toute façon, la livraison est rapide. Il n'y a pas de gros soucis. Voilà. Allez, je coupe juste une seconde, le temps de changer la caméra de place. Voilà. Et je vous montre tout de suite le résultat du diamond painting. À tout de suite. Alors, nous revoici. Voilà, je vous la montre. Donc, j'essaye de vous la montrer en montant, montant, montant mes bras, parce que là, elle est à plat sur la table. Voilà, je vais vous la montrer un peu en détail. Voilà. Donc, ça brille un peu parce que j'ai ma lampe, hein, qui est au-dessus. Et il y a Fifi qui va passer, bien sûr. Fifi, bouge. Bouge. Donc j'adore, c'est le détail du vêtement. Allez, je recule un petit peu, vous voyez. Oh, désolé, j'ai passé mon doigt devant. Donc voilà. La coiffure est super belle aussi. Voilà, vous voyez, donc là vous aviez la taille. Et donc là, bon, on avait toutes les références. Donc pour l'encadrer, alors soit je vous referai une vidéo si vous le souhaitez, mais j'ai déjà une vidéo dans mes toutes premières vidéos sur ma chaîne. Donc quand vous ouvrez ma chaîne, de toute façon, vous la voyez normalement sur la page d'accueil, hein, au tout début. Et il y a comment encadrer son diamond painting. Mais bon, c'est une de mes toutes premières vidéos, donc elle est très très ancienne. Bon, c'était un peu mal éclairé. Bon, j'étais pas encore top 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 dans mes vidéos. Je dis pas que je suis encore une pro, hein, mais bon. Donc, si vous voulez que je vous refais une vidéo là-dessus, bah dites-le moi, je ferai la vidéo avec le kit, avec la japonaise, dès que j'ai mon cadre. Voilà. Et je vous montrerai comment je fais pour mes encadrements. Voilà. Sinon, vous pouvez aller revoir dans mes toutes premières vidéos. Voilà. Donc voilà, la japonaise. Passage. Bonjour Pacha. Bonjour chérie. C'est l'heure du dodo. Voilà. Alors là, ouais, j'étais en train de le faire. Bon, là, j'avais recouvert parce que je savais que Fifi allait arriver. Donc, j'avais reposé. Je vais tomber la protection de la japonaise. Hop, voilà, je vais la remettre comme ça. Donc, j'ai toujours mes. On regarde pas mes cigarettes, c'est pas bien. J'ai oublié de les cacher. Mes perles, hein, pour mon kit. Et voilà où j'en suis. Je vais vous montrer. J'ai oublié de baisser un peu la télé. J'écoute Incroyable Talent, mais alors il y en a, c'est pas du tout des talents. Voilà. Et voilà où j'en suis arrivée. Donc j'ai déjà bien avancé. J'ai déjà fait une bonne moitié. Regardez, vous voyez, voilà le kit. Donc j'ai déjà fait une bonne moitié de la première partie, en sachant que la première partie est plus grande que la deuxième. Donc j'ai déjà fait presque la moitié. Voilà, vous voyez. Donc on voit déjà les petits loups qui apparaissent. Donc pareil, là la toile est super. J'ai juste eu un tout petit souci. Non, pardon. Un tout petit souci au niveau ici, là.
Alors, je pense que c'était à cause du pliage. La colle n'adhérait plus, mais pas sur une grande partie, hein. Vraiment un petit carré comme ça. Donc bon, c'était pas très très important. Bon, on voyait toujours bien les symboles, donc ça c'était le principal. Donc moi, ce que j'utilise quand ça arrive, voilà, du double face. Tout simple. Oh, j'ai une perle qui s'est collée dessus. Du double face, tout simple, c'est celui d'action. Hein. Je termine aussi là-dessus. Bon, tant pis. Je colle donc sur la partie qui ne se colle plus. Voilà, par exemple, bon, je ne vais pas le coller là, puisque là ça va. Je le colle dessus. Je coupe. Que le scotch, hein. Faites bien attention de ne pas couper la toile. Donc, vous le posez. Vous coupez le petit morceau que vous avez besoin. Vous appuyez un petit peu avec votre pouce pour que ça adhère bien. Vous enlevez la protection et après vous pouvez remettre vos perles sans problème. Ça adhère, ça bouge pas. La preuve, ici, j'ai aucun souci. Voilà. C'était vraiment sur une toute petite partie, là, un petit carré. Donc comme c'était au niveau du pliage, on voit, là, vous voyez, il y a un petit coin. Et donc, je pense que la colle a dû se frotter, je sais pas. Mais bon, il y avait juste là. Donc, c'était vraiment pas grave du tout. Donc, oh, j'ai entendu du bruit, mais c'est Fifi qui est dans sa litière. Donc, voilà. Voilà où j'en suis déjà pour celui-là. Donc, il a des belles couleurs aussi. J'aime beaucoup et il va très vite à faire aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, je coupe une seconde et je reviens vers vous. Donc voilà, vous avez vu le kit de la japonaise terminé qui est super beau. Je vais protéger parce que si Fifi passe par là, j'ai peur qu'elle me l'abîme. Alors moi, une chose, oui, parce que je vois que beaucoup arrachent leur papier de protection. Vous voyez, moi je les garde en entier, je ne les coupe pas. Parce que je les scotche dessus pour ne pas abîmer le tableau, pour pas qu'ils prennent la poussière en attendant qu'ils soient encadrés. Et comme ça, les perles, et je scotche avec tout autour, avec du scotch normal. Et comme ça, je suis tranquille. Les perles ne bougent pas. La poussière ne rentre pas. Voilà. Malgré que je mets aussi dans un grand carton à dessin. Vous savez, les cartons à dessin qu'on avait pour aller à l'école. Voilà. Donc, j'en ai un très, très grand. Je mets dedans. Et comme ça, j'ai aucun problème. Attention, la Fifi qui passe. Désolée. Parce que le fait d'arracher la protection, je sais pas, j'adhère pas moi. Voilà. Je trouve que c'est une protection, donc ça doit rester, même si on a déjà mis les perles. Voilà, bon, c'est ma façon de voir, hein. Voilà, Fifi qui repasse. Bon, t'as fini? Attends, je vais protéger mon kit. Allez, bouge. Désolée. Je vous jure, hein. Du coup, elle fait bouger mon téléphone, je crois, parce que je ne me vois plus pareil. Donc voilà. En même temps. Alors, on doit être maintenant 2930 passé, je crois. Oh non, Fifi. Non, là, c'est bon. Allez, pile. Voilà. On doit être 2930, je crois. Là, j'ai déjà reçu un kit. Pour le concours, en plus des autres lots que j'ai pour le scrap, hein, puisque dans le concours il y aura plusieurs thèmes, comme je vous ai expliqué. Et donc j'ai déjà un kit de diamond painting. J'attends le deuxième et j'attends que bah, qu'il y ait encore quelques personnes qui s'abonnent aussi sur la chaîne. Alors, sachant que je voulais faire le concours pour mon anniversaire, donc le 12 novembre. Mais là, bon, il manque encore 70 personnes pour arriver aux 3000 abonnés.
Ça va être juste, mais j'espère y arriver. Donc, n'hésitez pas, vous, à faire connaître ma chaîne, à de faire abonner vos amis. Comme ça, plus on est de fous, plus on s'amuse. Et plus vite, on pourra faire le concours. Voilà. Comme ça, je veux vraiment le faire pour mon anniversaire. Donc, bon, s'il en manque 2, 3, même 5, 6, je ferai le concours. Mais je veux vraiment le faire pour mon anniversaire. Donc, il faut s'abonner. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser pour ce soir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo aura lieu donc sur le coloriage. Voilà, je ferai un coloriage avec vous. En même temps, je vous montrerai celui que j'ai fait hors caméra. Et je vous referai une vidéo cartonnage pour vous montrer... Oh non, Fifi, hop, là, elle prend du raccourci. Je vous ferai une vidéo donc cartonnage sur la commode, sur les deux commodes que je suis en train de faire pour les commandes. Voilà, il y en a une qui est pour ainsi dire terminée et l'autre sera terminée aussi. Il ne me reste plus que les tiroirs à faire. Donc pour début de semaine prochaine, les deux commodes sont terminées normalement. On va croiser les doigts. En sachant que vendredi, là, je n'aurai pas le temps de. J'aurai le temps de rien faire. Puisque je vais aller faire un petit tour au salon du loisir créatif. C'est idées créatives et idées fil en aiguille à Lille. Hein, c'est à Lille Grand Palais. Donc moi j'y vais vendredi, ça se passe vendredi, samedi, dimanche. Et en même temps, ben, vous pourrez y retrouver mon Fifi. Maman elle va se fâcher là. Oh. Descends. Elle fait des bêtises maintenant. Vous pourrez y retrouver, donc, désolée, elle me fait bouger le téléphone en même temps. Mon amie Sylvie, la boutique Pick & Patch, qui aura un stand. Donc dans la partie fil en aiguille, voilà. Donc ben, si vous êtes sur place, n'hésitez pas d'aller lui faire un petit coucou. Et ben, vous lui, en passant, vous lui dites ben, je connais Didith, l'atelier Didith. Voilà, comme ça elle saura que vous êtes venu de ma part la voir. Voilà. Je vous laisse maintenant, je vous fais des gros bisous. Je vais calmer mes bébêtes là parce que maintenant qu'ils se sont réveillés, ils sont énervés. Je vais faire encore un petit peu de mon diamond painting. Et puis après, je vais faire le montage de la vidéo en même temps. Et après, il sera l'heure d'aller faire le dodo. Là, il est déjà 21h49. Mais bon, je ne vais jamais me coucher avant... 23h minuit. Voilà, je suis une couche tard. Donc, je ne sais pas aller me coucher de bonne heure. Mais je ne me lève pas de bonne heure, non. Enfin, je ne me lève pas de bonne heure. Je me lève entre 7h et 8h le matin. Donc, voilà. Mais bon, ça va. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et donc, je dis prochaine vidéo sur le coloriage, demain ou après-demain. Voilà, je fais au mieux. Allez, gros bisous, à bientôt. Bisous.